Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Dieu, on le cherche, et quand on le cherche, il se laisse trouver. Nzambe baluka kaye. Alléluia. Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, quand on le voit, il vient changer. Il vient changer, il vient changer le cours du destin. Quelque chose va arriver aujourd'hui dans ta vie. En écoutant cette musique, I believe in my heart. Quelque chose va changer dans ta vie. Quelque chose va changer dans ta situation. Dieu, on le cherche. Dieu, on le cherche. Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, quand on le voit, il vient changer. Il vient changer, il vient changer le cours du destin. La situation ne restera plus la même en écoutant cette musique. Cette chanson apporte la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta maison et dans ta famille. Batama bondeli tokei tangwe koki. Lo sambwe ganga lo le fongwama. Pongo lwe fuluka. Zambe baluka kaye mama. Alleluia, alleluia. Zambe baluka kaye papa. Alleluia, alleluia. Oyo baluka bamona ye. Alleluia, alleluia. Atama lilia elanga. Alleluia, alleluia. Atama lilia ive. Alleluia, alleluia. Atama lilia ete. Baluka ba mona ye. Alleluia, alleluia. Atampia ke koti nambi. Alleluia, alleluia. Atamala de koti nzoto. Alleluia, alleluia. Atamakambwezo simbabe. Alleluia, alleluia. Atakonzamba tombolio. Alleluia, alleluia. Atakonzamba pambolio. Alleluia, alleluia. Nzambe baluka kaye papa. Alleluia. Zambe baluka kaye mama. Alleluia, alleluia. Oyo baluka ba mona ye. Zoka makambo esisa kanga motema nde appel ya rendez-vous. Tango na zangi bana na zangi mosala nzamba zo benganga na ngomba. Na luka zambe mopesi na nyonso. Zambe ya ana ye. Pesi abana, Zambe ya Esther na Bible a pesa libala. Atombola Joseph en Egypte, atuna kinanye. Loboko na yekutu esangandelo. Dieu sans frontières, ayebi koko ma esika medesin akomate. Na yeko luka yo Zambe, yo mofuti malamwe. Kana beleli yo na lo sangwa lelo. Kana kilibile ya yo ke elanga mawa. Baluka kaye mama. Alleluia, alleluia. Zambe baluka kaye papa. Alleluia, alleluia. Oyo baluka ba mona ye. Alleluia, alleluia. Atali bale zo umela. Alleluia, alleluia. Tata mabote zo umela. Alleluia, alleluia. Ata mokande zo umela. Alleluia, alleluia. Ata voyage zo umela. Alleluia, alleluia. Ata
vie, tous mes vents et ma vie. Viango matata de koluka nzambe. Shalom, 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 shalom dans vos maisons et bienvenue dans ces programmes de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. La Bible dit que tout passera, tout changera. Mais la parole de Dieu, elle, ne passera point. La parole de Dieu demeure la même hier, aujourd'hui et éternellement. Recevez la joie du Seigneur dans vos maisons. Recevez la joie du Seigneur de partout où vous nous suivez. Que Jésus-Christ soit tout pour vous. Et je vais prier pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Précieux Jésus, nous te recommandons ces moments, que tout ce que nous aurons à dire ou à faire, que cela t'honore et te glorifie, que ton règne vienne dans nos cœurs, que ton règne vienne dans nos vies. Touche tous ceux qui nous suivent, guéris-les, délivre-les et fais-les du bien. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen. Be blessed, be béni, soyez béni. Voilà. C'était aussi pour vous informer que demain dimanche les 7, c'est ça, dimanche 7 février, donc demain nous avons deux cultes, 9h juste à 11h juste pour le premier culte et les deuxièmes cultes de 11h15 à 13h15. À ne pas manquer, pendant ces moments il y aura un grand service de guérison ce dimanche que nous disons dimanche spécial pour ta guérison. Un dimanche spécial pour ta guérison. Donc c'est demain à nos deux cultes. Nos adresses sont là, au bas de vos écrans. Vous êtes loin, envoyez vos frères et sœurs. Jésus guérit, Jésus délivre encore. Là, pendant que je suis sur le plateau, j'aime bien parler de ce que Jésus fait. Pendant que je suis sur le plateau, il y a une dame qui vient de m'envoyer. Oh, Dieu est bon, laisse-moi te dire, Dieu est bon. Il y a une dame qui vient de m'envoyer sa vidéo que je pourrais vous montrer là, tout de suite, que je viens de, c'est à 12h, que je, donc là je viens de les recevoir tout de suite, c'est une dame qui est à la maternité avec un enfant qui vient de mettre au monde. Dieu est merveilleux, alléluia, Dieu est merveilleux, voilà, c'est une dame qui vient d'accoucher, voilà, les... J'ai dit, je vais cacher le visage de l'enfant. Elle m'a dit, non, pasteur, il ne faut pas cacher ce que Dieu fait. Bon, c'est vrai, le visage de l'enfant ne se voit pas, mais vous voyez quand même, il y a un bébé. Vous voyez un bébé. On vient de m'envoyer cette photo tout de suite là, pendant que je suis là sur le plateau, avant de commencer. Un témoignage, un miracle. La maternité, pasteur, 16 ans après de la stérilité, cherchant l'enfant, homme de Dieu,
je vous ai appelé, je suis venu, vous avez prié, et je suis allé et regardé, pasteur, les résultats. Aujourd'hui, la stérilité là est brisée, ce blocage dans la maternité est brisé, et Dieu vient de me donner un enfant, un garçon, un joli. Waouh! Voilà pourquoi j'aime servir Dieu. Voilà pourquoi j'aime prêcher Jésus. Parce qu'il fait des œuvres qui sont concrètes. La maman a dit, homme de Dieu, votre Dieu est vivant. Jésus que vous nous prêchez est vivant. Je l'ai vu, je l'ai expérimenté. Voilà, aujourd'hui, j'ai un enfant avec moi. Voilà ce que Dieu est capable de faire, maman. Papa, voilà ce que Dieu est capable de faire. Voilà ce que le Seigneur est capable de faire. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Voilà ce que Dieu est capable de faire, mon frère. Dieu l'a béni avec un joli bébé. Dieu l'a béni avec un enfant merveilleux. 16 ans après, Dieu l'a béni, Dieu l'a visité. Je crois que le même Dieu peut aussi vous guérir de ces problèmes de la stérilité. Dieu peut vous guérir de cette maladie incurable. Demain, ne manquez pas à l'église. Je dis bien, demain, le dimanche, nous avons des cultes 9h juste à 11h juste. Et de 7h, de 11h15 à 13h15 pour le deuxième culte, dimanche spécial pour ta guérison. Je crois aussi que demain, Dieu va te visiter. Vous êtes loin, envoyez vos frères et sœurs. Nos adresses sont là et nos numéros de contact sont là. Deux Rois, chapitre 20. J'aime parler avec des preuves que Jésus est vivant. J'aime pas parler en l'air. Jésus guérit, Jésus fait ceci. J'ai parlé pour ne rien voir ou pour ne rien faire. Jésus n'était pas comme ça. Jésus montrait les œuvres. Oui, si votre foi n'a pas des œuvres, c'est une foi morte. J'aime montrer les œuvres, ce que Jésus est en train de faire, encore d'actualité aujourd'hui, comme dans la vie de cette maman, 16 ans de stérilité. Pendant 16 ans, elle est venue, elle nous a cherchés, nous avons prié Dieu, Dieu l'a exaucé, du tuc au tac, elle a vu, elle a expérimenté. Vous aussi, c'est possible. Alléluia. Jésus guérit encore, Jésus délivre encore, Jésus restaure encore, parce qu'il est le Dieu de miracles, il n'a jamais changé. Alléluia. Recevez aussi un miracle dans votre ministère, que le miracle de Dieu coule aussi dans votre ministère, que le miracle de Dieu coule dans vos business, que le miracle de Dieu coule dans vos affaires. Deux Rois, chapitre 20, à partir du premier verset, en ces temps-là, Ézéchias fit malade à la mort. Le prophète Isaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est droit à tes yeux. » Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Et Isaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du millet, lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces termes. Retourne et dit à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière et je vis les larmes, voici, j'étais guéri. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel, gloire à Dieu, et j'ajouterai à tes jours 15 années. Voilà, praise God. J'ajouterai 15 années à ta vie. J'ajouterai 15 ans à ta vie. Bien-aimé, je veux que Dieu ajoute aujourd'hui quelque chose dans ta vie. Dieu que nous prions, Jésus que nous prions, il est celui qui ajoute. Raison pour laquelle vous allez remarquer que la croix de Jésus a la forme de plus, le signe plus, c'est-à-dire l'addition. Raison pour laquelle la mort de Jésus-Christ sur la croix, Jésus-Christ est venu ajouter ce qui manquait dans votre vie. Jésus-Christ est venu ajouter ce qui manquait dans votre ministère. Jésus-Christ est venu ajouter ce qui manquait dans votre mariage. Jésus-Christ est venu ajouter ce qui manquait dans votre vie. La joie de vivre, le travail, les titres de séjour, la nationalité, la guérison, la vie chrétienne. Jésus est venu ajouter. Vous savez, il y a plusieurs religions dans le monde. Chacun parle de son gourou, de ceci, mon gourou, mon maître, ma vie, ceci. Mais Jésus-Christ n'est pas une religion. Jésus-Christ est Dieu à part entière. Pourquoi Jésus est Dieu? Qu'est-ce qui différencie Jésus des autres religions ou des autres chefs religieux?
Les autres chefs religieux sont morts. Ils sont morts, ils sont restés dans les tombeaux. Les autres que vous croyez qui sont des dieux, les autres que vous croyez qui sont les chefs de votre religion, ce sont des humains. Mais Jésus n'est pas seulement inhumain, Jésus est Dieu. Pourquoi ? La différence, les autres chefs de religion, les autres gourous, les gourous sont morts. Le chef de votre religion est mort, il n'est pas ressuscité. Mais Jésus-Christ de Nazareth est le seul qui est mort. Et trois jours après, Jésus est ressuscité. Et aujourd'hui, donc, où je vous parle, Jésus est vivant à la droite du Père. Jésus-Christ est vivant à la droite du Père. Le chef de ta religion ne peut pas t'écouter, ne peut pas te répondre. Je parlais avec quelqu'un hier. Quand on m'a appelé pour que je lui enseigne la parole de Dieu, que je prie pour lui, il m'a dit « Non, vous n'avez pas besoin de prier pour moi. Les chefs de notre religion, notre gourou de mon pays, nous avons notre héritage, nous avons notre patrimoine, nous adorons, nous prions nos dieux, nous prions les dieux de nos ancêtres. » C'est ça qu'il m'avait dit. « Nous prions les dieux de nos ancêtres. » Moi, j'ai dit « Ça, c'est votre problème, mais le dieu de vos ancêtres est mort. » Il n'est pas ressuscité, il est mort, ce n'est qu'un humain. Pour prier quelqu'un, il faut que quelqu'un soit vivant. Quelqu'un qui est mort ne peut pas vous écouter. Quelqu'un qui est mort ne peut pas vous défendre, ne peut pas faire quelque chose, ne peut pas opérer un miracle, ne peut pas vous venir en aide. Oh non, nous, c'est la religion, c'est la tradition. Je dis, mais la tradition ne vous sauvera pas. Ne vous attachez pas à une religion par mouvement. Ne vous attachez pas parce que tout le monde y va. Mais il faut prier celui qui est vivant. Jésus est le seul à être ressuscité, qui est vivant aujourd'hui, qui peut opérer et qui opère et nous voyons. Et bien aimé, la personne est allée dans là où ils vont pour chercher la guérison auprès de leur gourou qui était mort. Et malheureusement, le chef, ceux qui étaient là en place, lui ont dit « Tu dois sortir d'ici, nous ne pouvons rien ». Et avant même que le jour où le Messie allait sortir, allait arriver, le Messie était déjà mort. Et sa famille m'a appelé, pasteur, homme de Dieu, regarde, nous sommes allés, nous sommes déçus. J'ai dit oui, mais les religions de ce monde déçoivent. Les religions de ce monde déçoivent parce que leurs gourous sont morts, ils ne sont pas ressuscités, ils ont peut-être des yeux, ils ont des dieux en forme de statues. Et ces statues ont des yeux, mais ils ne peuvent pas voir, ont des oreilles, mais ils ne peuvent pas entendre, ils ont des mains, ils ne peuvent pas toucher, des bouches qui ne peuvent pas parler. Jésus est le seul à qui vous pouvez vous fier. Jésus est le seul à qui vous pouvez faire confiance, lui parler par la prière, venir intervenir, vous guérir, vous délivrer et vous restaurer. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous attachez pas aux religions mortes, ne vous attachez pas aux idoles, ne vous attachez pas à l'occultisme, ne vous attachez pas à la magie. Jésus-Christ de Nazareth est le seul chemin qui amène la vie. Jésus dit qu'il n'y a pas de salut en dehors de moi. Je suis le chemin, celui qui veut être dans le vrai chemin, c'est moi Jésus. C'est moi qu'il faut suivre, c'est moi le chemin. Si vous voulez être dans la vérité, Jésus dit c'est moi la vérité. Et si vous voulez la vie, Jésus dit c'est moi la vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Vous allez mourir, vous irez en enfer. Parce que la vraie vie, c'est Jésus qui la donne. Oui, vous voulez avoir la vérité. Jésus dit, je suis la vérité. Il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a pas de vraie vérité. En dehors de Jésus, il n'y a que des réalités. Il n'y a que des réalités. Mais en Jésus, il y a la vérité parce que lui-même est la vérité. Et vous voulez la vie et la vraie vie, il faut accepter Jésus parce qu'en dehors de Jésus, c'est la mort. Tout ce qu'on peut vous présenter comme vie, comme vérité, ce ne sont que des illusions, ce ne sont que des réalités, ce ne sont que des formalités. Mais la vraie vie, la vraie vérité, c'est Jésus. Il n'y en a pas deux. Et comme il est vivant, il peut écouter les prières. Comme il est vivant, il peut guérir, il peut délivrer. Comme il a guérit cette femme de la stérilité dont je viens de vous montrer la photo. Voilà, comme je disais, j'aime parler avec des preuves. Montrer là, pendant que je suis sur le plateau, on m'envoie cette photo, la dame m'écrit, « Pasteur, voilà ce que votre Dieu a fait. Je vous avais cherché pour mon problème de la stérilité et regarde, aujourd'hui, Dieu m'a béni. Après vos prières, le bébé est là, j'ai mis au monde, votre Dieu est vivant. » Voilà pourquoi et que je vous dis que Jésus est le seul, mon frère. Ma sœur, Jésus-Christ est le seul. Jésus-Christ est le seul à vous satisfaire totalement. Jésus-Christ est le seul à vous donner la solution. Cette dame à l'hôpital, à la maternité, avec son bébé qu'elle porte là. Voilà. Voyez le Dieu de miracles que je vous prêche. Jésus de Nazareth. Pourquoi ? Parce qu'il a des yeux pour entendre, il a des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Ce ne sont pas des blabla. Jésus guérit, Jésus délivre.
Alléluia. Ici, on nous montre Ézéchias, qui était malade. Dieu envoie son prophète, Ésaïe, dire à Ézéchias, « Ézéchias, tu vas mourir. Tu vas mourir. Laisse déjà les testaments, laisse déjà tes derniers mots à ta famille, parce que là, tu vas mourir. » Et Ézéchias, le prophète Ésaïe lui a annoncé ce message, et le prophète Ézéchias a tourné les yeux contre le mur, il a pleuré, il a crié à Dieu, il a dit, « Oh Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi. » Il a parlé à Dieu, il a prié. Souviens-toi. Oh, parce que Dieu a des yeux pour voir, il a des oreilles pour entendre, il a entendu le cri d'Ézéchias. Mais si vous vous attachez à des religions mortes, aux humains que vous croyez être des dieux, aux religions mortes qui ne peuvent rien pour vous, qui ne sont que des illusions, des réalités, pas la vérité, mais votre vie après la mort, où sera-t-elle? Il y a une vie après la mort, la vie éternelle. Il y a ceux qui vivront éternellement, mais dans la présence de Dieu, dans la gloire, dans la félicité, parce qu'ils avaient accepté Jésus-Christ, la vraie vie. Et il y en a qui vont passer toute l'éternité dans un étang de feu qu'on appelle l'enfer. Acceptez Jésus, vous serez sauvés. Vous et votre famille, acceptez Jésus-Christ, votre esprit sera sauvé, votre âme sera sauvée et Jésus guérira aussi votre corps. Oui, les chefs de vos religions, les chefs de vos croyances vous disent non, votre esprit est éclairé, mais vous ne pouvez pas vérifier les domaines de l'esprit. L'esprit, vous ne pouvez pas vérifier, l'âme, vous ne pouvez pas vérifier, mais le corps, Jésus ne sauve pas seulement votre esprit, Jésus ne sauve pas seulement votre âme, mais Jésus sauve aussi votre corps. Parce que Jésus-Christ est venu nous apporter le plein salut, le salut dans son entièreté. Oui, Jésus sauve votre esprit, il pardonne vos péchés, il guérit votre âme et Jésus touche aussi votre santé, il vous guérit. Raison pour laquelle j'étais en train de vous dire, dimanche, tous ces dimanches, nous avons des dimanches spéciales de délivrance et guérison. Oui, déjà c'est dimanche 7. Février, demain, donc à nos deux cultes, 9h juste à 11h juste, le premier culte, et le deuxième culte de 11h15 à 13h15. Dimanche spécial pour ta guérison. Les adresses sont là, 16 rue de l'Escouvrier, 95 descend Sarcelles. Oui, nos numéros de contact, de téléphone sont là. Bien-aimés, venez nombreux, envoyez vos frères et sœurs. Jésus guérit, nous allons prier pour vous, qui avez des problèmes de stérilité, vous qui avez des problèmes de mari, femme de nuit, vous qui êtes tourmenté par n'importe quelle maladie, bien-aimés, Jésus guérit. Ce monsieur Ézéchias a crié à Dieu, parce que Dieu entend, le vrai Dieu doit entendre, le vrai Dieu doit entendre. Oui, il doit donner des solutions. Il donne la solution. Et quand il a écouté Ézéchias crier, le même prophète qui lui a amené la mauvaise nouvelle de la mort, Dieu dit au même prophète, j'ai écouté les cris, le pleur, les prières de cet homme. Vas-y lui dire que je le guérirai. Je le guéris. Je le guéris déjà parce que dans 3 jours, il va aller dans mon temple témoigner. Comme cette femme est revenue, pour qui nous avons prié pour les problèmes de la stérilité, elle est revenue témoigner. Elle est revenue témoigner. Combien de gens pour qui nous avons prié? Vous vous souvenez, lors de nos émissions en direct ici, téléphone ouvert, combien de femmes qui ont appelé en direct ici, de plusieurs pays, de plusieurs villes, que je ne connais même pas. Pasteur, tu te souviens, il y avait une dame qui est venue un jour dans ton église. J'avais un problème de maternité. Homme de Dieu, tu as prié. Et je suis rentré chez moi. Aujourd'hui, pasteur, après cette prière, le problème de la stérilité a été brisé. Aujourd'hui, Dieu m'a donné des enfants. Aujourd'hui, Dieu m'a donné des enfants. Après que tu aies prié, je souffrais de la stérilité. Même mon mariage allait se briser. Vous vous souvenez ici même en direct, combien de témoignages de gens qui ne pouvaient pas marcher sur des chaises roulantes. Mais pour qui nous avons prié, Jésus les a guéris. Ils ont quitté leurs chaises roulantes. Vous vous souvenez ici même là, je ne vous parle pas d'un Jésus qui a agi dans le passé. Je vous dis là, aujourd'hui, je viens de vous montrer la photo de la femme à la maternité. Aujourd'hui, avant que je monte sur le plateau, quand j'étais même dans ce studio, elle m'a écrit, « Pasteur, voilà ce que ton Dieu a fait. J'avais un problème de la stérilité. Vous avez prié, Dieu a écouté. 16 ans après, j'ai souffert de la stérilité pendant 16 ans. Et après que vous avez prié pour moi, là maintenant, Dieu m'a béni avec un enfant. » Voyez, ce n'est pas un Dieu du passé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ, Hébreux 13, 8. Hébreux, chapitre 13, et le verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a guéri hier, il guérit aujourd'hui, il guérira demain. Il n'a jamais changé. Il suffit de lui faire confiance, la foi.
Il suffit de lui faire confiance et avoir la foi. Ézéchias, nous voyons ici Ézéchias, il a fait confiance à Dieu. Vous savez, la maladie conduit à la mort. La maladie conduit à la mort. Toute maladie, il y a des gens qui sont morts parce qu'ils avaient des migraines. Ces migraines l'amènent à la mort. Il y a des gens qui ont souffert parce qu'ils ont eu des vertiges, ils sont tombés, ils sont morts. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils avaient mal au cœur, mal au bas-ventre. Au fait, toute maladie cache la mort. Même ce que tu peux négliger là, cache la mort. Est-ce que vous me comprenez? Il y a même des gens qui sont morts sans constater, sans ressentir une maladie. Mais ils dorment, mais ils ne se réveillent pas, ils partent. Et il y a aussi des gens qui ont des maladies connues, appelées même des maladies incurables selon le monde. Mais aucune maladie n'est incurable devant le nom de Jésus. Aucune maladie, frère. Vous avez vu ici des témoignages, dans notre émission, c'est encore possible. Une femme qui a subi 17 opérations, se déplaçant sur une chaise roulante, on doit la pousser. Mais elle est venue dans l'une de nos réunions. Jésus-Christ de Nazareth l'a visitée. Nous sommes allés, je suis allé auprès d'elle, j'ai dit, aujourd'hui tu dois marcher au nom de Jésus. Je dis, pasteur, mais je n'ai jamais marché, ça fait longtemps. Je regarde, je suis sur la chaise roulante, je dis, aujourd'hui Jésus t'es guéri. Je touche ses jambes, je dis, au nom de Jésus, levez-vous et marchez. La dame s'est levée sur sa chaise roulante, la femme a jeté ses béquilles, la femme a commencé à marcher normalement. Vous avez vu ça sur cette chaîne, dans nos émissions. Et vous continuez d'écouter des témoignages éloquents, comment Jésus agit. Et nous voyons ici Ézéchias qui était mourant à cause d'une maladie, désespéré. Peut-être que vous êtes aussi désespéré. Peut-être on vous a dit que cette maladie est incurable. Peut-être on vous a dit qu'il n'y a pas de solution pour cette maladie. On vous a dit qu'il n'y a pas de solution pour ce problème. Mais Jésus est la solution. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la solution. Pourquoi? Pourquoi vous devez vous fier à Jésus? Pourquoi vous devez accepter Jésus? Et pas à d'autres chefs de votre religion ou de votre pays ou de votre coutume. Pourquoi? Je dis un, parce que ces chefs-là, ces gourous, ce sont des humains. Jésus est Dieu. Ou Jésus est le fils de Dieu, si vous le voulez. Il est Dieu. Le fils de Dieu est Dieu. Et Jésus est le seul qui est mort parmi tous les humains, qui n'est pas resté dans les tombeaux, qui n'a pas pourri, dont le corps n'a pas connu la corruption. Jésus est ressuscité. Raison pour laquelle vous devez lui faire confiance. Arrêtez de croire à ces illusions. Arrêtez de croire à ces gens-là. S'ils priaient le vrai Dieu, ce sont peut-être des prophètes. Ce sont des humains, ils ont servi Dieu. Mais ce ne sont pas des dieux. C'est Jésus-Christ qu'il faut accepter. Pourquoi? Parce qu'il est mort et il est ressuscité. Comme il est ressuscité, il est vivant. Il peut répondre aux prières. Quand vous serez dans le besoin, Jésus peut vous venir en aide. Parce qu'il est vivant, il voit, il peut voir votre souffrance. Il peut compatir à votre souffrance. Mais celui que vous priez, il est mort, il ne vous connaît même pas. Il ne peut pas compatir. Le chef de ta religion, le chef de ton pays, le gourou de ta religion est mort. Il ne voit même pas ta souffrance. Il ne peut même pas compatir. Il n'a même pas ce qu'est. Il ne sait même pas que toi tu existes. Puisqu'il ne sait même pas, lui-même il ne sait même pas qu'il existe. Il n'a plus de souvenirs de lui-même. Mais comment vous pouvez être aveuglé jusqu'à ce niveau? Oh, je prie le chef de mon pays. Nous, comme je suis de telle tribu, je suis de tel pays, nous prions le Dieu de notre... Nous avons un chef religieux. Il est déjà mort, celui que nous prions. Comment vous pouvez être ainsi aveuglé? Comment vous pouvez être ainsi aveuglé? Comment pouvez-vous être ainsi aveuglé? Acceptez Jésus. Jésus est le seul parmi tous ces gens-là de religion. Jésus est le seul à mourir et à ressusciter, qui est vivant, qui a les yeux qui peut voir ton problème et voir ta vie. Il est le seul qui a un cœur qui peut compatir, qui peut sentir ton souci. Il est le seul qui dit, je suis le chemin. Oui, marchez à moi. Je suis le chemin. Je suis la vie. Vous voulez la vraie vie, c'est moi la vie. Je suis le chemin. Si tu veux marcher dans le droit chemin qui t'amène à ta destinée, c'est moi. Il dit, c'est moi la vie. Si tu veux la vie, c'est moi. Je suis la vérité. Si tu veux la vérité, c'est moi la vérité. Il n'y en a pas deux. Acceptez Jésus et il guérira. Il va éclairer votre esprit. Il va éclairer votre âme. Et il guérira votre corps malade. Et il donnera la solution à vos problèmes. Je ne viens pas vous parler d'un chef religieux.
Je ne viens pas vous parler d'une religion. Je vous parle de Jésus qui n'a jamais changé. Je viens vous parler de Jésus-Christ de Nazareth qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus, le faiseur de miracles, n'a jamais changé. Jésus-Christ, le faiseur de miracles, n'a jamais changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ézéchias a crié dans la prière. Ézéchias a parlé à Dieu. Alléluia. Ézéchias a prié. Comme il a des yeux, il sait voir. Comme il a des oreilles, il sait entendre. Il a répondu, Ézéchias. Il a dit, je t'ai guéri. Trois jours, après trois jours, tu seras au temple pour aller témoigner. Vous tous qui avez vécu la main de Dieu au travers de nos prières, appelez-nous. Nos coordonnées sont là. Dieu dit, tu seras au temple, tu vas témoigner. Il est très important de témoigner ce que Dieu a fait dans votre vie. Nous voyons quand les gens ont un besoin, ils suivent les hommes de Dieu, ils appellent. Mais quand ils expérimentent des miracles, ils cachent, ils fuient, ils ne veulent pas témoigner. Bien aimé, un jour, un autre problème arrivera. Je dis à toute personne, vous qui avez vécu la main de Dieu au travers de nos prières, au travers de nos interventions, appelez-nous, écrivez-nous, témoignez ce que Dieu a fait. Ça va édifier les autres et ça nous poussera à rendre gloire à Dieu pour votre vie. Et quand un autre besoin viendra, Dieu sera là pour vous, Jésus sera là pour vous parce que vous avez manifesté la gratitude dans ce qu'il a fait avant dans votre vie. Oui, j'ai dit que Dieu a répondu à Ézéchias et il a dit que je t'ajoute 15 ans. Je t'ajoute 15 ans. Tu allais mourir, mais je te rajoute 15 ans. Comme je disais tantôt que chaque maladie mène à la mort. Donc cette maladie que tu as cache la mort derrière. Mon frère, cette maladie cache la mort. Alors avant qu'il ne soit trop tard, il est temps que tu cherches Jésus. Que tu acceptes d'abord le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tout le monde mourra, mais je prie que tu meurs au temps de Dieu. Pourquoi Ézéchias est en train de pleurer? Je veux que tu meurs au temps de Dieu. Il y a des gens qui meurent pas à l'heure de Dieu. Dieu n'avait pas prévu que tu meurs à ce temps-là. C'est un péché de mourir avant le temps de Dieu, mon frère. Ma soeur, c'est un péché de mourir avant le temps de Dieu. Même Dieu te demandera, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Ton temps n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce que tu es venu faire? Tu n'as pas encore achevé ta mission. Je prie que personne ne t'arrache ta vie. Jésus, on ne lui a pas volé sa vie. Jésus, on ne lui a pas arraché sa vie. Jésus-Christ n'a pas été tué. Jésus-Christ n'a pas été tué. Personne n'a arraché sa vie. Jésus-Christ a dit, Père, j'ai remis mon esprit. Père, je te donne ma vie. Jésus-Christ a lui-même donné son âme, a lui-même rendu l'âme. Il a dit, Père, j'ai remis mon esprit. Vous voyez, quand il a voulu, c'est parmi ses dernières paroles sur la croix, il a dit, je te donne mon âme, j'ai remis mon esprit, j'ai remis ma vie. Il a donné, il a accepté lui-même de donner parce qu'il a dit, tout est accompli. Il a fini sa mission. Comme je finis ma mission, je te remis ma vie. J'interdis. Je veux que toi-même, que autant voulu par Dieu, que Dieu lui-même qui t'avait envoyé sur terre, reprenne ta vie. Mais pas que la maladie vienne t'arracher ta vie. Pas qu'un incident ou un accident ou un incident vienne t'arracher la vie. Ou que les sorciers t'arrachent ta vie. Dis après moi, les sorciers ne m'arracheront pas ma vie. Dites, la maladie n'arrachera pas ma vie. Dites, le microbe ne m'arracheront pas ma vie. Dites, le monde des ténèbres ne m'arrachera pas ma vie au nom de Jésus-Christ. Dites, je partirai au temps de Dieu. Dieu reprendra mon âme. Dieu reprendra ma vie à son temps. Quand il trouvera que ma mission est accomplie, c'est là que je partirai. Mais pourquoi Ézéchias est en train de pleurer? Parce qu'il voit qu'il n'a pas achevé sa mission, il n'a pas fini sa mission, mais il veut mourir. Bien-aimé, les cimetières sont remplis, bourrés de gens qui avaient des missions, des destinées, mais qui n'ont pas accompli leur mission. Les cimetières sont remplis, bourrés de gens qui avaient des destinées, qui avaient des choses à faire, mais qui n'ont pas su accomplir leur mission. Je ne veux pas que vous puissiez être du nombre. Je ne veux pas que vous puissiez ressembler à ces gens. Je veux que vous puissiez dire au Seigneur, non, je veux vivre ta vie, Seigneur. Je veux que vous puissiez dire, Seigneur, je veux vivre ta gloire. Je veux vivre ta gloire. Seigneur, je ne veux pas être du nombre de ces gens qui sont morts, enterrés, sans pour autant accomplir leur destinée. Ces gens à qui on a arraché la vie, je ne veux pas les ressembler. Mais pour ne pas les ressembler, il faut parler à Dieu comme Ézéchias. Ézéchias a vu la mort, on lui dit, tu vas mourir demain, tu vas mourir, laisse le testament, laisse tes dernières paroles. Au lieu d'accepter cette fatalité, il dit, non, je n'accepte pas, je dois aller prier. Peut-être que les médecins t'ont dit que tu as une maladie incurable. Peut-être qu'ils sentent la mort arriver. Ce que tu traverses, ce que tu vis, certes, le médecin t'a dit que cette maladie est incurable, mais si tu pries bien, Dieu est capable de changer cette maladie en guérison. Si tu parles bien à Dieu comme Ézéchias, oui, si tu fais voir au Seigneur
ta fidélité. Regarde, tu m'avais guéri autrefois, j'avais témoigné. Si tu me guéris dans, cette fois-ci, j'irai encore témoigner. Raison pour laquelle je vous dis, il faut toujours témoigner. Regarde, tu m'avais béni, j'avais aussi béni ton travail. J'avais aussi béni ton serviteur. Si tu me bénis cette fois-ci, si tu me sauves cette fois-ci, je te bénirai et je bénirai aussi tes œuvres au travers de tes serviteurs. Il montre à Dieu les œuvres. Seigneur, souviens-toi comment j'ai été fidèle. Est-ce que quand Dieu t'a donné, est-ce que tu avais aussi donné à Dieu ou aux hommes qui ont prié pour toi? Quand Dieu t'avait béni, est-ce que tu avais témoigné? Est-ce que tu avais montré la reconnaissance? Et oui, aller honorer Dieu au travers de ses serviteurs. Ézéchias a été guéri à cause aussi de sa fidélité à ce que Dieu avait fait au préalable, auparavant dans sa vie. Il y a des gens tellement qui sont ingrats. Vous priez, ils voient la main de Dieu. Ils ne reviennent même pas pour dire merci à Dieu, pour te dire, fils, que gloire, je viens remercier ton Dieu. Ils ne viennent même pas honorer ton Dieu. Ils ne viennent même pas honorer ce que Dieu a fait dans sa vie au travers de toi, son serviteur. Ils ne viennent même pas. Alors, quand ils sont encore dans le besoin, ils viennent. Raison pour laquelle Dieu souvent n'agit pas. Parce que Dieu voit votre ingratitude, votre manque de reconnaissance. Commencez d'abord à honorer Dieu, à les remercier pour ce qu'il a déjà fait. Commencez par être reconnaissant, pas seulement verbalement, mais en venant avec des actions de grâce à Dieu pour ce que tu as fait. Je te suis reconnaissant et vous pousserez Dieu de faire de mieux en mieux dans votre vie. C'est ce qui a poussé Dieu, les œuvres qu'Ézéchias a faites, les œuvres, sa reconnaissance, sa gratitude devant Dieu. Est-ce que êtes-vous reconnaissant? Est-ce que êtes-vous dans la gratitude ou dans l'ingratitude? Et c'est ce qui a sa gratitude, sa reconnaissance et ses prières ont fait que Dieu puisse agir. Oui, commence par être reconnaissant. Va réparer là où tu n'as pas été reconnaissant. Vas-y réparer là où tu as été dans l'ingratitude. Et Dieu peut changer ta maladie en guérison. Même si, vous savez, il faut plus avoir peur quand Dieu parle. Faut plus avoir peur quand Dieu parle. Dieu a parlé que tu vas mourir. C'était plus que les paroles des médecins. Les médecins peuvent te dire que cette maladie est incurable. Combien de gens que je vis, le médecin lui dit, non, tu n'as pas trois, tu ne vivras pas trois mois, c'est longtemps. On dit, pasteur, on m'a dit que trois mois, c'est trop, je ne vivrai pas, je ne passerai pas les trois mois. Je dis, viens, nous avons prié Dieu. Et aujourd'hui, ces gens-là ont fait plus de trois mois, plus de trois ans. Ces gens-là sont en vie parce qu'ils ont cru en Dieu. Ils ont fait leur confiance en Dieu. Ils ont crié à Dieu comme Ézéchias a crié. Oui, quand Dieu parle, c'est plus que les paroles des médecins. Quand Dieu parle, c'est plus que les diagnostics des médecins. Hein? Les médecins t'ont dit que tu as telle maladie, c'est vrai. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Donc, les paroles de Dieu sur Ézéchias, c'était plus probante, c'était plus efficace. Donc, c'était plus concrète qu'autre chose. C'est plus que les paroles des médecins. Quand Dieu te dit que tu vas mourir, qui peut effacer les paroles de Dieu? Qui peut contredire ce que Dieu a dit? C'est plus que le verdict d'un médecin qui t'a dit que ta maladie est incurable. Mais bien que Dieu ait donné son verdict que tu vas mourir, mais la prière d'Ézéchias a changé la situation. Sa sincérité, sa gratitude, sa reconnaissance, ses œuvres ont changé la donne. La prière peut changer la donne. C'est vrai, on a dit que tu vois ta situation, tu vois que c'est fini pour toi. C'est fini, tu ne peux plus réussir. C'est fini, tu ne peux plus vivre. C'est fini, ça ne peut pas changer. Mais par la prière, faite au nom de Jésus, l'impossible est capable de devenir possible. La mort peut se transformer à la vie. Les échecs en victoire, la maladie à la guérison. Et vous avez vu Ézéchias, il a prié, alléluia, et Dieu a exaucé sa prière. Dieu répond aux prières, Dieu répond aux prières, Dieu répond aux prières faites avec foi et confiance au nom de Jésus. Pas au nom de quelqu'un d'autre. Parce que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom. Jésus dit, pourquoi vous savez, vous avez des soucis qui n'obtiennent pas de solution. Vous avez des maladies qui n'obtiennent pas la guérison. Pourquoi? Parce que vous demandez dans l'air. Mais Jésus a dit, c'est à mon nom. Tout ce que vous demanderez à mon nom, c'est-à-dire tout ce que vous demanderez au nom de Jésus-Christ, je vous les donnerai. Vous vous demandez au nom de qui? Au nom de votre chef religieux, il est mort. Il ne se souvient même plus de lui-même. Il ne vous connaît même pas. Il ne vous connaît même pas. Puisque lui-même ne se souvient même pas de lui-même. Alors comment il peut agir? Même si vous avez dessiné des statues, ce sont des statues qui ont des yeux qui ne peuvent pas voir, des oreilles qui ne peuvent pas entendre, des mains qui ne peuvent pas toucher, des pieds qui ne peuvent pas se déplacer. Le chef de votre religion, de votre culture, de votre coutume est mort. Il est dans la pourriture. Mais Jésus est le seul qui est mort et ressuscité, qui est vivant.
C'est lui qui est vivant et capable de parler, est capable d'agir. Et déjà, il est le Tout-Puissant parce que la Bible dit que c'est par la parole, Jésus qui est la parole. Donc, c'est par Jésus que le monde a été créé. C'est Jésus qui t'a créé. Même les souffles que tu as, c'est Jésus qui t'a donné. C'est lui qui a créé le monde. C'est par la parole que le monde a été créé. Or, la parole, c'est Jésus. Donc, c'est la parole, c'est Jésus qui a la puissance de la création. C'est lui, raison pour laquelle il dit « Je suis la vie ». C'est lui qui peut te donner la vie. C'est lui qui peut restaurer ton mariage. C'est lui qui peut restaurer ta santé. Et il dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous les donnerai. Voilà la raison pour laquelle vous souffrez à cause de votre orgueil. Vous vous attachez aux croyances, aux religions mortes, aux chefs religieux qui sont des humains, qui sont morts, au lieu de vous attacher à Jésus, au lieu de croire en Jésus, par orgueil, par coutume, vous vous attachez aux choses périssables, aux hommes qui ont péri eux-mêmes, et vous voulez aussi les suivre dans ce chemin de l'égarement. Jésus est le seul qui peut vous restaurer votre mariage. Jésus est le seul qui peut bénir votre santé, vous guérir. Jésus-Christ est le seul qui peut donner la solution à votre problème et vous donner la solution vous-même. Mais acceptez Jésus, priez Jésus et demandez toujours au nom de Jésus. Ézéchias a prié, Dieu l'a rajouté 15 ans de vie. Jésus peut rajouter là où les gens de ce monde ont retranché. Là où la maladie a retranché, là où les microbes ont retranché, là où les humains ont retranché, Jésus-Christ est capable de rajouter. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez cela? Oui, je vous dis, le Dieu qui a agi dans la vie de cette dame, je le répète, cette dame, avant que j'étais dans ce plateau, dans ce studio, quand j'ai reçu cette photo de cette femme à la maternité, vous voyez une femme à la maternité avec un enfant, Jésus, elle avait un problème de stérilité. Elle a cherché cela pendant cet enfant pendant 16 ans. Mais elle a écouté la bonne nouvelle que nous prêchons. Nous avons prié pour elle. Elle vient de témoigner. Elle vient témoigner aujourd'hui. Pasteur, votre Dieu a écouté vos prières. Vous avez prié pour moi. Regardez, aujourd'hui, Dieu m'a donné un enfant. 16 ans que je cherchais. Rien n'est impossible à Dieu. Nous prions un Jésus vivant. Nous prions un Dieu réel qui a des yeux, qui voit le nom de Jésus. Oui, priez après moi. Dites, Seigneur Jésus, entre dans mon cœur. Jésus, sois mon Seigneur. Jésus, sois mon Sauveur. Dites, Jésus, je te donne ma vie. Dites, Jésus, je te donne ma vie. J'arrête de croire aux idoles. J'arrête de croire aux illusions. J'arrête de croire aux humains parce qu'ils sont morts, ils ne me connaissent pas. Ils ne se connaissent même pas eux-mêmes. Ils n'ont plus de mémoire, plus de souvenirs. Mais Jésus, tu es vivant. Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Je crois en toi aujourd'hui. Je peux compter sur toi. Je peux te parler puisque tu es vivant, tu entends. Je peux te faire confiance parce que tu agis. Jésus, pardonne-moi mes péchés. Répétez ces paroles après moi. Jésus, pardonne-moi mes péchés. Jésus, lave-moi par ton sang. Jésus, purifie-moi par ton sang. Jésus, pardonne-moi mes péchés. Dis Jésus, je t'accepte dans mon cœur. Je t'accepte dans ma vie. Et t'as mon Seigneur. Et mon Sauveur personnel. Jésus, prends ma vie et donne-moi ta vie. Jésus, prends ma vie et donne-moi ta vie. Jésus, éclaire-moi. Jésus, sauve mon esprit. Jésus, sauve mon âme. Jésus, sauve mon corps. Jésus, délivre-moi. Jésus, je veux t'expérimenter. Je prie comme vous l'avez accepté, comme vous croyez en lui, que la main de Dieu vous touche là où vous êtes. Rien n'est impossible à Dieu, car tout est possible à celui qui croit. Je demande que la main du Tout-Puissant vous touche là où vous êtes. Que votre esprit soit délivré, votre âme soit délivrée, votre corps soit délivré, que votre santé soit délivrée, votre mariage soit délivré, votre maternité soit délivrée, votre titre de séjour soit délivré, votre nationalité soit délivrée, votre commerce soit délivré, votre vie sportive soit délivrée, vos business soient délivrés, que vos affaires soient délivrées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la main de Dieu vous touche, que la main du Tout-Puissant vous touche, que la main du Tout-Puissant vous touche, que la main du Tout-Puissant vous touche. Recevez votre guérison, recevez les saluts de votre esprit, recevez les saluts de votre âme, recevez les saluts de votre corps, de votre santé. Au nom puissant de Jésus, je brise ces microbes au nom puissant de Jésus, je brise ces chaînes de Satan, des maladies au nom de Jésus, je brise ces microbes, je brise ces infections au nom de Jésus, je brise ces chaînes, je brise
ses limitations, j'annule ses mauvaises paroles, j'annule ses incantations des hommes, j'annule ses incantations mauvaises sur vous, j'annule, je brise ses paroles de malédiction, je brise ses œuvres de malédiction sur vous. Au nom puissant de Jésus, vous êtes guéri, vous êtes délivré. Retrouvez la paix, retrouvez la joie de vivre, retrouvez la paix et retrouvez la joie de vivre. Laisse que la main de Dieu vous touche, là où vous étiez enterré, soyez ressuscité au nom de Jésus. Que ce qui était bloqué soit débloqué au nom de Jésus. Que ce qui ne marchait pas marche à nouveau dans votre ministère, dans votre vie chrétienne, dans votre carrière, dans tout ce que vous faites comme étude, comme activité. Retrouvez la joie, retrouvez le goût du succès, retrouvez la joie, retrouvez le goût du succès, retrouvez la joie dans votre mariage, retrouvez la maternité, retrouvez la fécondité. Que la stérilité soit brisée, que la stérilité soit brisée au nom de Jésus-Christ. Retrouvez la bonne santé, soyez guéri au nom de Jésus. Retrouvez les partenaires de votre vie, l'homme de votre vie, la femme de votre vie. Retrouvez la bonne direction, retrouvez la bonne orientation. Que la lumière du Seigneur vous éclaire. Et je vous recommande entre les mains de Jésus, par son Saint-Esprit. Soyez touchés et saisis. Soyez touchés et saisis. Soyez touchés et saisis. Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié et je dis amen, amen. Amen, amen, frère. Amen, amen, sœur. J'attends votre témoignage. Vous avez été touché, béni par nos prières au travers de cette émission. N'hésitez pas à nous appeler, n'hésitez pas à nous écrire. Nos numéros de contact sont là, au bas de cet écran. Et n'oubliez pas notre rendez-vous de tous les dimanches, 9h juste à 11h juste, pour le premier culte, le deuxième culte, 11h15 à 13h15, des services de délivrance et de guérison pour la gloire de Dieu, pour votre vie, pour que vous aussi vous puissiez témoigner. Vous tous qui avez expérimenté la main de Dieu au travers de nos interventions, n'hésitez pas de nous appeler, de nous écrire pour votre témoignage. Et n'oubliez pas aussi de soutenir cette émission. Si cette émission vous bénit, vous apporte la joie, vous apporte la connaissance, vous apporte la vie, vous apporte Jésus, n'oubliez pas de devenir partenaire de cette émission en nous appelant ou en nous écrivant, disant « Homme de Dieu, je vais chaque mois participer moi aussi pour financer ces émissions parce que la télé, c'est de l'argent. » Et Dieu ne manquera pas de vous bénir et de vous faire du bien. Et vous qui le faites déjà, que mon Dieu vous bénisse et je vous bénis largement. Que vous puissiez vivre l'accomplissement de vos rêves, que le plan de Dieu dans vos vies devienne réel. Je vous bénis, je vous bénis. Si vous avez aimé, ne gardez pas ces moments pour vous seuls, veuillez aussi les partager aux autres. Que mon Dieu vous bénisse, que Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Suivez-nous désormais chaque samedi à 12h. Suivez-nous désormais, oui, chaque samedi à 12h sur cette chaîne, et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Que la gloire de Dieu, que la faveur de Dieu et la faveur des hommes soit sur vous. Je vous dis bye bye, à très bientôt. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Dieu, on le cherche. Et quand on le cherche, il se laisse trouver. Nzambe baluka kaye. Alléluia. Dieu on le cherche, Dieu on le cherche, Dieu on le cherche. Quand on le cherche, quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, quand on le voit, il vient changer. Il vient changer, il vient changer le cours du destin. Quelque chose va arriver aujourd'hui dans ta vie. En écoutant cette musique, I believe in my heart. Quelque chose va changer dans ta vie. Quelque chose va changer dans ta situation. Dieu on le cherche, Dieu on le cherche, Dieu on le cherche. Quand on le cherche, quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, quand on le voit, il vient changer. Il vient changer, il vient changer le cours du destin. Ne reste
restera plus la même en écoutant cette musique. Reda baba chatari abosene. Reka brasatara boshata. Cette chanson apporte la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta maison et dans ta famille. Batama bondeli tokei tangwe koki. Lo sambwe ganga lo le fongwama. Pongo lwe fuluka. Zambe baluka kaye mama. Luka kaye papa, alleluia, alleluia. Oyo baluka ba mona ye, alleluia, alleluia. Ata malilia elanga, alleluia, alleluia. Ata malilia ive, alleluia, alleluia. Ata moya ete, alleluia, alleluia. Oyo baluka ba mona ye, alleluia, alleluia. Ata mpya ke koti na mbi. Ata maladie koti nzoto, ata makambo ezosi mabe, ata konzamba tomboli yo, ata konzamba pamboli yo, Nzambe baluka kaye papa, Nzambe baluka kaye mama, oyo baluka bamona ye. Kanga mote mande appel ya rendez-vous. Tango na zangi banana zangi mosala nzamba zo benganga na ngomba na luka zambe mopesi na nyonso zambe ya ana ye mopesi ya bana zambe ya Esther na Bible apesa libala atombola Joseph en Egypte atuna kinani ye loboko na ye kutu ezanga ndelo. Alléluia, Zambe baluka kaye mama. Alléluia,
baluka kaye papa. Alléluia, alléluia. Koyo baluka bamo.